Donc voilà, maintenant on est échauffé et on va commencer avec les bases des sauts à la corde et on fera du plus facile au plus difficile. Donc voilà, on va commencer avec les sauts basiques à pieds joints. Donc il faut attendre que la corde soit bien devant les pieds pour sauter. Et aussi, il ne faut pas tourner avec les bras, c'est juste les poignets qui doivent tenir, tourner. Juste comme ça. Moi j'attends bien que la corde soit devant les pieds pour sauter et je tourne tous mes poignets. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est en arrière, donc c'est la même chose. Sauf que là, il faut sentir où est la corde pour sauter. Exactement. Donc voilà, on va passer à la deuxième façon de sauter à la corde. Donc c'est le même principe qu'avec les pieds joints, sauf que c'est un peu plus long. Donc là, il faut rester sur un pied et puis mettre le sur la corde de place quand on saute. Maintenant, la même chose, main en arrière. Donc là, c'est la même chose qu'avec les pieds joints, sauf qu'il faut bien sentir où aller la corde pour sauter. Les deux premières manières, vous devez essayer d'aller un peu plus vite. Maintenant tout ça en rapide.
même chose, mais en arrière. Donc, je vais vous montrer au ralenti. Donc ça va être sauter en tournant. Donc on colle bien les poignets. On tourne à gauche, à gauche, à droite. Et on tourne que les poignets. Et si moi je suis gauchère, donc je vais faire tout à gauche. Mais si vous êtes droitier, vous faites tout à droite. Donc j'attends que la corde passe à gauche. On se retourne. On saute. Et puis on se retourne. Donc c'est un peu dur de faire un ralenti. Je vais vous remonter dans la corde. Je mets ma jambe devant pour me préparer. Je tourne à gauche. Je saute. Hop. Et puis je retourne. Maintenant, je vais faire normalement. Et voilà. Et maintenant, on va passer au prochain exercice. Donc, ça va être la même chose, sauf en croisé. Donc, on se prépare. On tourne. Et là, c'est exactement la même chose. On va sauter en arrière en croisant les bras. On attend qu'on soit bien en arrière. Et voilà, maintenant on va passer au prochain exercice. Donc le prochain exercice ça va être plier la corde en deux. Et ça va être sauter normalement, mais en étant accroupi et en ayant la corde en deux. On met la corde devant les pieds, on saute et puis on la remonte. Maintenant on va faire la même chose mais en arrière. Donc on attend que la corde soit derrière les pieds, on saute. La dernière et la plus dure. Donc ça l'est doublette. Donc le principe de la doublette, c'est de faire passer la corde deux fois en un seul saut. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc je vais faire plusieurs sauts dans le temps normal avant, deux, trois sauts. Et pour le quatrième saut, je vais tourner les poignets super vite pour réussir à faire passer la corde deux fois en dessous de mes pieds. Et le moyen pour y arriver, c'est de sauter à la dernière minute. Dès que la corde est là, on saute, pas avant, parce que sinon il y aura tout ça, plus tout ça à faire. Sauf si on attend ici, il n'y aura presque que 1, 2 pour réussir à doubler. Donc attendez bien que la corde soit à ras des pieds pour sauter et tourner très vite les poignets pour réussir à faire deux tours. Donc on va essayer de mettre la vidéo au ralenti parce que ce n'est impossible de faire la doublette au ralenti. Donc moi je vais la faire normalement. Et maintenant, on va passer à un niveau encore plus dur qui est faire la doublette normalement. Même moi, j'arrive pas avec une corde aussi lourde. Mais moi, c'est avec une corde plus légère et mon maximum, c'est déjà que 4. Donc malheureusement, c'est compliqué de sauter à la corde à l'intérieur, mais dans ma chambre, ce serait encore plus pire. Si vous voulez apprendre à sauter à la corde rapidement, faites ces exercices de 20 à 30 minutes par jour. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et on se dit à la prochaine !